donc après le top 10 sur Owen Hart, me voici avec mon second top 10 pour un lutteur un peu moins glamour, disons, un peu moins légendaire, vous l'aurez reconnu, donc Rikishi, aussi connu sous le nom de Fatu ou encore sous la gimmick de The Sultan. Vous aurez vu le lutteur en question sous toutes ses gimmicks dans l'intro. Alors, a priori, c'est pas le top 10 le plus intéressant de l'histoire, hein. Voilà. Mais j'ai trouvé une motivation à faire ce top 10 parce qu'après son passage à Rikishi, à Raw tout récemment, lorsqu'il a affronté X Slater, eh bien, sur FN Nation, sur le forum que je fréquente, il y a eu des gens qui ont un peu donné leur souvenir de ce lutteur-là. Je me suis rendu compte que les gens retenaient surtout d'un côté le Sting Face, qui est quand même pas vraiment à son avantage quand même, et de l'autre, surtout l'idée d'un lutteur plutôt médiocre. Je trouvais ce jugement un peu sévère, et je me suis dit, il mérite mieux. Et voilà, l'idée du top 10, ça serait un peu de voir à quel point mérite-t-il mieux. Alors pourquoi? Parce que, en fait, un top 10, ça me permet de voir beaucoup de combats, 30, 40, en l'espace de voilà, 2-3 semaines, donc pas beaucoup de temps. Et du coup, en voyant tous ces combats-là, je me rends compte de tous les tics, les réflexes, les habitudes du lutteur, les trucs sur lesquels il coince à chaque fois, les trucs qu'il réussit bien à chaque fois, etc. Et du coup, ça me permet d'avoir un jugement, je pense, sur l'ensemble du lutteur meilleur. Donc voilà, l'intérêt, c'est pas simplement de vous balancer une liste des 10 meilleurs matchs du mec, c'est plus d'ailleurs de parler du gars de manière générale. Alors d'ailleurs, parlant de cette liste et ce top 10, pour faire souvent mes propres top 10, en fait, je vais voir si quelqu'un d'autre en a fait ou trouver un peu les listes des éventuels meilleurs matchs du gars ou quoi. Avec tous les forums qu'il y a sur le net, souvent on trouve quelque chose, et bien pour le coup, j'ai strictement rien trouvé, donc cette vidéo, c'est une exclusivité mondiale. Voilà, premier truc que je voulais dire. Le second truc que je voulais dire, c'est que je voulais juste introduire Rikishi, parce que si vous ne connaissez pas véritablement lui, probablement que vous connaissez un certain nombre de personnes de sa famille. Alors il fait partie d'une illustre famille, la même famille que Yokozuna, The Rock, Umaga, qui était son frère, ou encore les Yuzos, qui sont deux de ses fils à Rikishi, ou encore Samu, qui est l'un de ses cousins et avec qui il a été en équipe pendant longtemps, sous le nom de Samoan SWAT Team ou encore The Hellshrinkers. The Hellshrinkers, c'était la WWF. Vous avez bonne chance de trouver des choses sur eux sous ce nom-là. Donc, ça, c'est un peu on va dire, la base à connaître sur Rikishi. Le deuxième truc, c'est que Rikishi, il est connu sous ce nom-là parce que il a eu son push en 99 sous ce nom-là, et c'est le push qui l'a envoyé au main event high card, voilà. Plus ou moins faire des gros matchs en pay-per-view, genre de truc, avec des grosses rivalités, des grosses storylines, voilà, genre de truc. Et en fait, il a eu ce push-là au moment où il était le moins bien athlétiquement, où il était en baisse vraiment considérable athlétiquement, il commençait à prendre du poids, à être un peu cassé de partout, genre de truc. Et finalement, là où il était au top, il était plutôt low-carder, jobber, ou alors en équipe avec Samu. C'est pour ça que d'ailleurs, on trouve quasiment l'intégralité des meilleurs matchs de Rikishi comme étant des matchs par équipe, parce qu'il était avec Samu, parce que c'est la seule période où il était bien physiquement et bien utilisé. Ensuite, c'était soit il n'était pas bien physiquement, même si en 2000, ça va, il a quand même donné, mais du coup, il s'est encore plus cramé vite, puisqu'il a tout donné en 2000, ce qui pouvait lui rester à peu près de physique, entre guillemets. Mais voilà, ça s'explique comme ça. Alors, un peu le profil de manière générale de Rikishi, il est vraiment proche de celui d'Umaga. Ils ont de toute façon, alors Umaga, c'est son petit frère qui doit avoir pas mal d'années de moins que lui. Ce sont tous les deux des gros gabarits, mais ils sont très mobiles et très capables de prendre des bumps. Et ça, c'est ce que j'aime, parce que tout de suite, les gros gabarits qui prennent des bumps, ça prend plus de proportions. Bon, finalement, bon, il est quand même pas du même gabarit qu'un mec comme Mark Henry ou quoi, mais c'est ce que je pourrais reprocher à ces gabarits comme Mark Henry, c'est d'être pas très mobile. Ben là, pour le coup, lui ou Maga étaient justement très mobiles, et donc ils avaient pas ce côté lent et parfois un peu chiant de certains big men. Alors après, quand je dis qu'il peut prendre des bumps, je parle pas des énormes bumps qu'il a pris, parce qu'il en a pris dans sa carrière, notamment le bump en haut de la steel cage, de la cage lors du steel cage match contre Val Venis, mon numéro 10 du top, ou encore le fameux bump du Armageddon Hell in a Cell, du pay-per-view du même nom, en décembre 2000. Et justement, je voulais parler un petit peu de ce match-là très rapidement. Il n'est pas dans le classement, pas parce qu'il fait moins de 3 étoiles comme note, je ne sais pas combien je lui donnerai d'ailleurs, mais tout simplement parce que je prends pas pour les tops comme ça les combats impliquant plus de 4 participants, tout simplement parce que le lutteur qui nous intéresse là pourrait très bien se retrouver à participer à un combat qui est excellent grâce à quelqu'un d'autre, et lui, bah, il se retrouve un peu là par hasard. Au moins avec 4 participants, a priori, il a forcément au moins contribué un petit peu à la note. Après, si c'est un combat impliquant plus de 4 participants où le lutteur en question est vraiment mis en avant, je pourrais faire des exceptions. C'est pas le cas de ce Armageddon Hell in a Cell, et c'est pas non plus le cas d'un autre match que j'aurais pu prendre en compte, c'est le Six-Man Tag de SummerSlam 93, Smoking Guns de Tatanka contre Bam Bam Bigelow et Ed Shrinkers, qui est un très bon combat, mais que pour lequel c'est davantage Bam Bam Bigelow à la limite qui brille que les autres.
Voilà. Donc, clairement, c'est lorsqu'il est en équipe qu'il est à son meilleur. Entre le moment où il est en équipe, qui s'arrête en 94, les Hellshrinkers, et le moment où il est en Rikishi, ça commence fin 99, eh bien, il a une espèce de passage à vide avec des gimmicks foireuses. Donc, la gimmick du jeune qui veut faire la différence, une espèce de jobber. Et puis, enfin, même pas qu'un espèce d'ailleurs, hein, clairement un jobber. Et puis, la gimmick de The Sultan qui a duré 6 mois et qui a servi plus ou moins à rien, puisqu'il a eu un seul match en pay-per-view, c'était contre The Rock à WrestleMania 13, et c'était même pas un très bon match. Donc, bref. Voilà. Néanmoins, quelle que soit la période qu'on prend, il est toujours au moins correct. Et ça, c'est le truc que j'ai remarqué. Je pense que c'est un lutteur qui a des très bons fondamentaux. Donc, au-delà du fait qu'il est mobile, qu'il peut prendre des bumps, tout ça, ce qui est quand même quelque chose plutôt de l'ordre de la plus-value, on va dire, il avait des bons fondamentaux. Donc, en fait, il n'avait pas une moveset de fou. Il était quand même limité à ce niveau-là. Mais je pense qu'il maîtrisait bien l'idée de rendre ces moves-là impressionnants, donc en essayant de les exécuter avec le maximum de qualité possible. Mais surtout de sortir au bon moment, dans le bon timing. Alors je vais prendre un exemple. À un moment donné, s'il sort son move quand le public n'est pas très attentif, et que c'est un big move, il va un peu le gaspiller dans l'idée. Par contre, s'il le sort à un moment clé du match, alors il y en a plein des moments clés dans un match, ça va avoir encore plus d'impact que simplement parce que le move est beau dans l'idée. Alors je vais prendre un exemple, comme je voulais le dire. Si on prend l'exemple du Samoan Drop, qui est l'un de ses moves, trademark moves, un des moves les plus impressionnants qu'il puisse faire, grâce à son gros gabarit. Dans un tag team match, par exemple, on peut très bien l'utiliser quand un lutteur face tente un comeback. Et là, lui, il était en train de dominer juste avant, il le chope, Samoan Drop, clac, il casse tout de suite le comeback du mec, ça a de l'impact. Parce que le public est intéressé, il croit qu'il y a un comeback, et en fait, non, là, ça fout une impression de puissance, de domination, etc. Donc ça, c'est vraiment, c'est un peu pour illustrer ce que je parlais de la notion de timing plus tôt dans une autre vidéo. Et c'est un truc que je trouve qu'il a beaucoup, et pas seulement lui, tous les autres lutteurs qui ont été formés par Rafa Anoa'i, donc ça inclut, je pense, les Usos, j'ai pas vérifié pour eux, mais Yokozuna, Samu, Samu c'est le fils de Rafa, donc je suis pas sûr de mon coup, ou encore Umaga justement, ils ont tous cette notion de timing, d'essayer de mettre le max sur quelques moves, et c'est souvent comme ça qu'on fait la différence. Et je pense que Rafa, alors j'ai pas été vérifier des matchs des White Samoans, mais je pense que lui-même Rafa avait ce côté-là. Bref. Alors après, on voit quand même que dans le top, il n'y a pas beaucoup de combats avec des grosses notes. Ça peut illustrer un manque de qualité supérieure, hein, de plafonnement un peu comme ça, peut-être un manque de qualité dans la psychologie, dans le storytelling, pour aller vraiment plus loin. C'est possible, ça me semble complètement possible comme critique. Ceci dit, je vois aussi le fait qu'il n'ait quand même pas eu beaucoup d'opportunités, et que par rapport au faible nombre d'opportunités, c'est quand même pas trop mal sorti. Après, on aurait pu attendre quand même, par rapport au nombre d'opportunités qu'il a eu, au moins un match à 4 étoiles. Tu vois, le mec qui sort tout sur un match. Bon, ça n'a pas trop été le cas. Donc, je pense que c'est acceptable de dire qu'il est quand même limité et que ça fait pas partie, même ne serait-ce. Bon, évidemment, ça fait pas partie des meilleurs lutteurs de tous les temps, mais ne serait-ce que des meilleurs big man de tous les temps, c'est peut-être un poil exagéré. À la limite, des meilleurs big man des années 90 à la WWF, là, je pense que oui, mais sinon, ça me paraîtrait exagéré. Alors, je vais passer un peu en revue les différents combats, le top 10 rapidement. Donc, Rikishi Valvanis, le Steel Cage Match de Fully Loaded 2000, c'est l'un des rares matchs en solo du top 10. Il y en a quand même 7 en équipe et 3 en solo. Bon, c'est pas un match exceptionnel, franchement, j'ai l'impression presque d'être généreux sur la note, mais ceci dit, le bump, avec le splash du haut de la cage de Rikishi, qui est en plus particulièrement gros à cette époque de sa carrière, sur Valvanis, c'est vraiment impressionnant, surtout que, comme je le disais tout à l'heure, Valvanis, il prend le bump. C'est ça qui est intéressant. C'est souvent les gros bumps, c'est le mec qui va se le faire tout seul, comme c'est le cas dans la Magdalena Lincel, ou le mec qui plonge à travers une table, ou je sais pas quoi. Là, il tombe avec tout son poids sur un mec, et tu dis le mec est mort. Et le problème, et c'est ce qui fait que le combat va pas aller dans une grosse note aussi, c'est qu'ils n'ont pas utilisé ce bump-là à son plein potentiel par la suite, avec la suite du match, le storytelling de la suite du match. C'est qu'un peu, il y a le bump. Les deux semblent blessés, Rikishi tente de couvrir Valvanis, ou je sais pas quoi. Non, je crois qu'il tente de sortir de la cage, Taz vient l'en empêcher, puis ensuite Valvanis le couvre. Voilà, il se passe juste ça. Donc. Moi j'aurais bien aimé par exemple qu'on ait l'impression que Valvanis il est mort à chier, par exemple que Taz essaye de le sortir de la cage en le tirant. Je sais pas, limite ça se transforme en un nouveau type de match, Rikishi Taz, et puis le but c'est de faire sortir Valvanis pour Taz. Limite ça aurait pu être drôle quoi. Je sais pas, enfin, il y avait certainement beaucoup mieux à faire après ce bump, vu l'impact qu'il avait, je veux dire, faut qu'il serve vraiment de tournant dans le match, et là c'est pas spécialement le cas, c'est juste fun sur le moment, c'est ce qui limite clairement le combat. Pour les Hellshrinkers Steiner, c'est un combat qui est excellent au début, excellent à la fin, mais toute la domination des heels, les Hellshrinkers, c'est un petit peu chiante.
voyez, donc le genre de tag team match. Mais alors par contre, il y a 2-3 moves de malade. Il y a 2 moves que tout simplement je n'ai jamais vu ailleurs que dans ces matchs-là. Donc il y en a un, je pense, je me demande si c'est limite pas un botch. C'est qu'en fait, je crois que Samu tire la troisième corde et Fatou, ou l'inverse, veut tenter un guillotine. Donc en fait, il veut lâcher le lutteur sur la troisième corde. Mais comme elle est tirée, le mec il tombe à l'extérieur du ring directement. Donc ça fait un bum de bâtard. Et sinon, il voulait porter un Doomsday Device. Donc c'est tout simplement. Donc c'était Rick Steiner qui était sur l'épaule de Samu. Fatou qui veut porter un espèce de laria de la troisième corde. Et l'autre l'attrape en plein vol sur les épaules du partenaire du mec qui saute. Enfin, c'est un truc de fou. Et lui porte un slam, donc ça c'est vraiment fun à voir. Mais au-delà de ces deux moves-là, je dirais que le match est quand même moyen. Donc ça donne envie avec ces deux moves-là de mettre une grosse note, mais je pense que c'est un petit peu exagéré. Alors le Fatou Triple H Junior Scat, c'est un opener, c'est un match pas super ambitieux qui cherche plus à chauffer la foule et à continuer le push de Triple H qui était encore Connecticut Blue Blood, hein, aristocrate à ce moment-là. D'ailleurs, c'est assez marrant de voir les deux lutteurs dans des gimmicks un petit peu délicates, on va dire, même si Triple H s'en sortait très bien à ce niveau-là. Bon, le combat il est fun et c'est justement un combat où on voit bien le côté mobilité et bumper de Fatou, donc voilà. Mais c'est voilà, encore une fois, de toute façon c'est 3, hein, des combats à 3 on en voit beaucoup. C'est pas un combat hallucinant, mais bon, je pense qu'il vaut le coup si vous êtes curieux, notamment si vous êtes fan de Triple H, pourquoi pas. Et puis le Rikishi The Rock aurait pu vraiment taper une plus grosse note. C'est sincèrement c'est le finish qui le pourrit. Le finish. Alors en fait c'est un match qui est vachement simple, très lisible. L'idée c'est que The Rock était blessé au sternum. Rikishi était heel et le combat est construit tout le temps par la domination de Rikishi qui se sert de cette blessure de The Rock. C'était lui qui l'avait contracté, je crois que c'était avec un sledgehammer, bref. Et The Rock avec le mental tente des comebacks, mais à chaque fois ils sont avortés parce que Rikishi réussit à replacer un move à cet endroit-là. Donc en fait la foule elle monte comme ça à chaque fois qu'il y a un comeback et en fait non, pas de comeback. Et remonte, etc. Jusqu'au finish où The Rock gagne. Le problème c'est que le finish c'est quoi? C'est tout simplement The Rock qui place, je crois, un Spinebuster, et ensuite il porte son People's Elbow, et il gagne grâce au People's Elbow. Et le problème, c'est que ce move-là, je l'ai jamais accepté comme un finisher, parce que ça reste pour moi un elbow drop, porté par un lutteur qui, a priori, n'est pas un big man. À la limite, si c'est un Mark Henry qui met un elbow drop, tu peux dire à la limite que c'est un finisher, à la limite. Mais là, non. Et en plus, il met vachement de temps avant de couvrir Rikishi, parce qu'il continue à vendre sa blessure. Mais du coup, moi, quand je vois ça, je me dis, bon, bah, ça va pas être la fin, puisqu'il a mis trop de temps à le couvrir. Et en fait, si. Et je trouve que ça donne un côté pas climatique, et d'ailleurs la foule ne réagit pas aussi bien que ça sur le pin final, alors qu'elle aurait pu exploser vu le déroulement du match et vu comment elle était dans le reste du match. C'est vraiment dommage. Après il y a les deux matchs contre les Midnight Express, donc ça c'est une série de matchs assez célèbres qu'ils ont eu contre une équipe légendaire des années 80. Bon, ça fait pas partie des meilleurs matchs je pense des Midnight Express. Bon, le numéro 2, là, celui que j'ai noté à 3,5, là, de Clash of the Champions 6, c'est quand même pas mal. Les autres sont pas aidés par le booking, je trouve. Donc bon... ce sont des bons combats par équipe si vous voulez voir un peu la division par équipe à, entre guillemets à son meilleur, même si c'est pas le top du top. Le match de Clash of the Champions 6 est pas mal. Hatrickers, Bam Bam Bigelow et IRS, l'opener SummerSlam, là encore c'est l'idée d'essayer de faire chauffer la foule sur un premier match qui se veut un peu fou comme ça, et des interventions avec AFA qui vient se battre et tout, c'est assez marrant. Bam Bam Bigelow est particulièrement bon dans ce match d'ailleurs. Par contre, ce qui est intéressant dans ce match, c'est qu'il devait être à la base un tag team title match, puisque les Hatchmakers étaient champions ne serait-ce que 3 ou 4 jours avant, et ils ont perdu leur titre lors d'un house show pour Shawn Michaels et Diesel. Apparemment, c'est l'idée de la clique qui a fait pression pour récupérer le titre. Et déjà, c'est assez rare pour être signalé qu'un titre majeur, quand même, soit change de main lors d'un house show. Et en plus, là, c'est dommage parce que ce match-là, à mon avis, télévisé, Hatchrinkers contre Diesel Shawn Michaels, aurait largement pu faire partie du top de la carrière de Rikishi sans problème. Donc bon. Voilà, dommage en tout cas. Alors, j'ai pas été voir, je crois qu'il y a moyen de voir ce match-là en filmé à la main lors du show en question. Mais bon, la qualité était tellement pourrie, et puis bon, comme c'est un match un petit peu dark, comme ça, je voulais pas le prendre en compte dans mon top. Sinon, le match contre les World Warriors, c'est un match de 6-7 minutes, donc trop court, mais alors vraiment 7 minutes de qualité, donc bon, il a quand même une note correcte. Et New Hatchrinkers contre Owen and Anvil, je voulais juste préciser que, bon, c'est un combat relativement secondaire, juste préciser que c'est un combat où Fatou fait équipe avec Sioni. Donc Sioni, c'est un lutteur qui est connu plus sous le nom de The Barbarian, qui n'est pas forcément extraordinaire. Jim Neidhart n'est pas non plus extraordinaire, et pourtant le combat est vraiment pas mal. Donc on peut souligner la qualité de Fatou dans ce match-là, et je me demande si par exemple Owen avait eu un meilleur partenaire, et si Samu avait été là dans ce match avec lui, Fatou,
je me dis que peut-être ce match-là aurait pu taper une grosse note aussi. Enfin, pas mal d'éléments de frustration comme ça. Et puis donc mon numéro 1, ça c'est vraiment un match que je vous recommande chaudement. Edge Shrinkers contre Kobe Baker, c'est le match durant lequel Edge Shrinkers deviennent champions par équipe. Et en fait, ils avaient fait un FaceTurn seulement une semaine avant, donc ils avaient vraiment besoin d'un booking allant les rendre populaires, donc il y a ça déjà. Ils avaient besoin aussi d'être champions crédibles, entre guillemets, parce que bon, ils n'avaient jamais été champions, ils étaient là depuis un moment, sans être spécialement pushés. Et tout ça aussi s'est fait, et puis le match est vraiment fou en lui-même. C'est vraiment une démonstration de comment sortir le big move dans le bon timing pour augmenter encore un peu plus l'impression d'intensité, de climax, de momentum, tout ça. Sincèrement, j'ai limite eu envie de mettre 4 ici. Puis après, je me suis dit quand même, faut pas déconner. Mais bon, j'adore les Co-Bakers en plus. J'adore tous leurs moves à deux qu'ils font. Vraiment un vrai bon match par équipe. Si vous voulez voir ce que j'aime et ce que j'entends par lutte par équipe, puisque a priori, si vous regardez que depuis 2-3 ans, vous ne savez pas ce que c'est. Parce qu'à WWF, c'est pas. Enfin, sauf si vous regardez d'autres fédérations, mais. À WWE depuis pas mal d'années maintenant, c'est vraiment le néant de ce côté-là. Bah, vous pouvez regarder ce match-là, il est très facile à trouver sur YouTube et c'est un match très plaisant et je pense assez accessible même pour les gens qui n'ont jamais regardé de la lutte des années 90, sans problème. Voilà. Alors, conclusion, c'est fait, on va dire, hein, maintenant. J'en ai déjà parlé tout à l'heure sur le fait que, plutôt moins, c'était quand même un bon lutteur. Je disais dans l'autre vidéo de top 10 de Owen Hart que. Me proposer les lutteurs si vous voulez que je fasse les top 10 de ces gars là on m'en a proposé deux, Sabu et DDP, donc j'ai répondu aux deux personnes par mail, mais je voulais juste en parler rapidement ici. Pour DDP, je dis non, tout comme ça serait le cas pour n'importe quel lutteur de la WCW des années 90. Voilà, donc c'est pas la peine de m'en proposer, parce qu'en fait je suis en train de me faire les saisons de la WCW des années 90 et j'ai pas envie de me spoiler les matchs of the year ou les meilleurs matchs des meilleurs lutteurs. Donc même si j'adore DDP, je connais pas quand même déjà pas mal de bons combats avec lui. J'ai pas envie d'aller voir hors contexte maintenant les autres grands combats de ce gars-là, donc je le ferai plus tard quand j'aurai fait toutes les saisons, ce qui risque de prendre pas mal de temps. Là, je suis en 92, à la WCW, bref. Pour Sabu, c'est davantage à voir. J'ai déjà récupéré pas mal de listes des meilleurs combats de Sabu, tout comme ça c'est trouvable sur Internet, déjà. Mais bon, c'est quand même un lutteur que je connais pas très bien, parce qu'en fait, j'ai vu que quelques pay-per-view de la ECW, mais j'ai jamais regardé de show ECW TV. Et apparemment, il a pas mal de gros combats dans ces shows-là. Et j'ai jamais vu Sabu au Japon non plus. Donc ça fait quand même pas mal de gros matchs de Sabu que je verrai pour la première fois. Et puis bon, au-delà de ça, c'est pas forcément mon style de lutte favori, le côté hardcore. Donc je ressens pas une énorme motivation. Mais bon, à voir. Bon, ce que je peux vous dire, c'est que le prochain lutteur pour lequel je ferai un top 10, ce sera certainement un lutteur encore inconnu aujourd'hui. Ça va me sortir comme ça d'un coup, on va pas savoir pourquoi. Donc voilà, restez connectés, vous verrez bien. Bon, ceci dit, il y aura certainement pas mal d'autres vidéos qui sortiront d'ici le prochain top 10. Donc je vous dis... à ces vidéos-là. Bye.